When you're listening to a French conversation, you don't have to understand every single word. But if you pay attention to keywords and context, you're going to understand most of it. This video is a listening practice on hobbies. Let's get started. On est le mardi 5 janvier et on a de nouveau rendez-vous avec Aude pour parler cette fois de ses loisirs. Bonjour Aude. Bonjour. Alors la dernière fois, on a fait une vidéo où tu te présentais, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la description. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler des activités, en commençant par la lecture. Est-ce que tu aimes lire ? Oui, j'aime lire, surtout des magazines. Plutôt quoi comme type de magazine ? Des magazines de cuisine, parce que j'adore cuisiner. Je cherche des nouvelles recettes pour faire, par exemple, des gâteaux avec ma famille pendant le week-end. D'accord. Des recettes françaises ou internationales ? Pour les gâteaux et les pâtisseries, je recherche plutôt des recettes françaises. Mais pour les plats que je cuisine, je cherche tout type de recettes. J'aime surtout les recettes italiennes et asiatiques. Et qu'est-ce que tu lis d'autre ? Je lis aussi des romans. Quel est ton genre préféré ? J'adore lire les romans policiers parce qu'il y a beaucoup de suspense et je trouve ça très intéressant. Et tu lis plutôt à quel moment de la journée ? Je préfère lire le soir, juste avant d'aller dormir, parce que c'est une activité plutôt calme. Ça me détend. Est-ce que tu lis d'autres genres, comme par exemple des bandes dessinées ? Je ne lis pas vraiment des bandes dessinées, mais je lis des livres pour enfants avec mon fils. Toutes les semaines, on va à la bibliothèque chercher des nouveaux livres et on lit des livres en français et en anglais. Mon fils aime beaucoup ça. Très bien. Et toi-même, quand tu étais jeune, tu lisais beaucoup ? Oui, j'adorais lire quand j'étais jeune. J'allais aussi à la bibliothèque une fois par semaine chercher des livres. Et je crois que je lisais 3, 4, voire 5 livres par semaine. Est-ce que tu lisais aussi des magazines ? Non, je ne lisais pas vraiment des magazines. Je crois que je lisais aussi de temps en temps des bandes dessinées quand j'étais plus jeune. Ok. Est-ce qu'il t'arrive aussi de lire les journaux ? Je ne lis pas les journaux en version papier. Par contre, j'aime aller sur Internet pour lire les actualités en français et en anglais. J'aime savoir ce qui se passe en France et au Royaume-Uni. D'accord. Sur quel site Internet ? Je vais sur Le Monde pour les articles en français et je vais sur The Guardian pour les articles liés au Royaume-Uni. Tu penses que c'est important de lire ? Oui, je pense que la lecture est une activité très importante. Quand on est petit, ça permet de développer l'imagination et grâce à la lecture, on apprend plein de choses. D'ailleurs, les gens qui regardent ta chaîne YouTube sont des débutants en français. Est-ce que tu as des livres à leur conseiller ou certains types de livres pour apprendre à parler le français ? Je pense que si vous voulez lire des livres, il faut commencer par les livres pour enfants. C'est assez facile parce qu'il y a des images pour mieux comprendre et les phrases sont assez simples et courtes. Donc ça serait une bonne idée de commencer par ça. D'accord, merci du conseil. Ça permet donc de développer le vocabulaire. Oui, exactement. Ok, très bien. Passons maintenant au sport. Par exemple, est-ce que tu joues au tennis ? Non, je ne joue pas au tennis, je ne sais pas tenir une raquette. Est-ce que tu fais de la natation ? Non, je ne suis pas une très bonne nageuse. Est-ce que tu fais de la gymnastique ? Non, je ne suis pas du tout souple. Ok, tu joues au basket ? Non, le ballon est beaucoup trop gros. Peut-être du foot ? Non, non plus. D'accord, je comprends donc que tu n'es pas très sportive. Non, je ne suis pas du tout sportive. Ok, c'est pas grave. Est-ce que tu fais quand même une activité physique ?
Oui, je fais du vélo. Ah, enfin. Tu vas où en vélo? Je vais un peu partout en vélo. Je vais au travail, je vais en ville, je vais aussi au parc avec mon fils. D'accord. Et qu'est-ce que tu vas faire en ville? En ville, je fais toutes sortes de choses. Je vais faire des courses, je vais aussi me promener et en ce moment, je regarde les lumières de Noël. Pourquoi tu aimes faire du vélo? J'aime faire du vélo parce que c'est relaxant et je trouve ça très agréable. Très bien. Est-ce que tu aimes aussi marcher? Oui, j'aime marcher et je fais aussi de la randonnée. De la randonnée plutôt où? J'ai fait de la randonnée un peu partout, mais bien sûr en France. Et aussi, j'ai eu la chance d'aller faire des randonnées aux États-Unis et en Norvège, par exemple. Très beau pays avec des montagnes. La montagne, c'est d'ailleurs un endroit où on peut faire plein d'activités sportives. Oui, on a beaucoup de chance en France parce que nous avons beaucoup de montagnes. Les Vosges, les Alpes, les Pyrénées. L'hiver, on peut aller faire du ski, de la luge, et l'été, on peut faire de la randonnée ou de l'escalade. D'accord, tu fais du ski toi-même? Oui, j'ai fait du ski quand j'étais plus jeune, mais ça fait très longtemps que je ne suis pas allée skier. Ok, et plus jeune, tu faisais d'autres activités sportives? Oui, quand j'étais jeune, j'ai fait de la danse pendant très longtemps. De 3 ans à 18 ans, j'ai pratiqué la danse classique. Et pourquoi tu aimais ça? Je crois que j'aimais retrouver mes copines au cours de danse et j'aimais aussi beaucoup la musique qui allait avec l'activité. Et à l'école, tu faisais d'autres sports? Oh là là, oui, mais je détestais ça. J'ai fait tout type de sport. J'ai fait de la gymnastique, du basket, et même du rugby. Du rugby. Ok. Est-ce que tu penses que généralement les Français sont sportifs? Oui, je pense que en général, les Français sont assez sportifs. Ils pratiquent une activité sportive une fois par semaine. D'accord. Et quels sont leurs sports préférés? Je crois que beaucoup de Français aiment aller faire du footing ou peut-être jouer au foot avec des amis. Et est-ce qu'il existe un sport typiquement français? Ah oui, la pétanque. C'est un sport typiquement français. C'est un sport avec des boules et un jeu d'adresse. C'est surtout pratiqué dans le sud de la France. Est-ce qu'en France, il y a certains événements sportifs qui sont populaires? Oui, si vous aimez le tennis, il y a le tournoi de Roland-Garros tous les ans. Il y a eu des Coupes du monde de foot et de rugby. Et en 2024, il y aura les Jeux olympiques à Paris. Très bien, beaucoup d'activités à venir donc. Donc voilà pour deux activités, la lecture et le sport. La prochaine fois, de quoi allons-nous discuter? Nous allons parler de musique, de télévision, de films et aussi de nouvelles technologies. D'accord, tout ça pour s'habituer à écouter du français. Oui, bien sûr, c'est très important d'écouter le français pour pouvoir parler et mieux comprendre cette langue. Eh bien, merci beaucoup, Aude, et à bientôt. Merci, à bientôt!